définir son passage. Alors, je crois que je suis une passagère de mon époque. Peut-être que plus précisément, je suis une femme de la terre, une femme d'Algérie. Oui, une femme de la terre, ça c'est certain. Une femme de la terre qui a eu la chance de s'instruire et de découvrir la pensée, les courants de pensée, dans un siècle malgré tout bénéfique à la culture, puisqu'on a accès à des traductions, à des transcriptions, à des choses d'échange entre les langues. Oui, qui je suis? De toute façon, de façon certaine, un être féminin. Et peut-être que j'ai reçu un héritage immensément long, puisque j'ai parfois l'impression que mes racines me ramènent jusqu'il y a plusieurs milliers d'années. C'est un livre qui m'a rappelé, bien que la manière des auteurs soit différente, l'espèce de vocation heureusement provocatrice qui était celle de la romancière Christiane Rochefort, laquelle disait « Le fantasme a été mon arme absolue ». Le thème des poèmes, eh bien les poèmes sont justement des écrits qui échappent au thème. Quand j'écris un roman, je construis. Quand j'écris une pièce de théâtre, c'est réglé au quart de tour. Lorsque j'écris un scénario, c'est pareil. Mais écrire un poème, ce n'est justement pas donner un thème, puisque c'est laisser affleurer en soi ceux qui n'ont pas la parole. Plus que dans les autres disciplines, la poésie, c'est savoir laisser la place. Ne plus être je. La poésie, pour moi, c'est ce moment où je vais laisser de l'espace, justement au temps, à la ligne du temps, aux espaces eux-mêmes, puisque les gens sont ce que les espaces et le temps, et la rencontre de l'espace et du temps les fait, eh bien c'est laisser ce moment-là libre. Et le poème se fabrique, éclos, je dirais presque en dehors de la pensée. C'est très curieux. Et pourtant, il faut avoir longtemps travaillé sur les mots pour que cette chose-là puisse se produire. Le poème y vient comme ça.